Un lac en voie de disparition en Autriche. Si rien ne s'arrange, ces bateaux pourraient bientôt se retrouver sur la terre ferme. Le niveau d'eau du lac Neusiedl n'a jamais été aussi bas depuis les années 60. Selon le gouvernement régional du Burgenland, cela est dû à la faible pluviométrie de ces derniers mois. Les scénarios sont toujours basés sur des hypothèses, mais ils nous donnent, en tant que gestionnaire de l'eau, une idée de la direction à prendre pour s'occuper du problème. Et c'est à un approvisionnement en eau artificielle que le groupe de travail réfléchit. Créé par la région du Burgenland, il souhaite coopérer avec le gouvernement fédéral et la Hongrie voisine. Le but ici est de trouver une solution technique pour atteindre cet approvisionnement en eau, mais il est également important que ce soit une solution qui soit finalement réalisable et durable. Le réchauffement climatique explique la lente évaporation de l'eau du lac, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2003, une forte baisse de son niveau avait déjà alerté les autorités, mais les pluies importantes des années suivantes avaient remis le sujet en arrière-plan. Pour beaucoup d'Autrichiens, le lac de Neusiedl est comme une mer intérieure en Autriche qui ne possède pas de littoral.